Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 102e épisode de Smallland en compagnie de Sabdam et Petit Ange. Coucou messieurs dames. Coucou. Coucou à tous. En compagnie de Mémé, alors Capot devrait pas tarder, logiquement. Puis on lui mettra un petit message sur Discord. Et alors, j'ai pu farmer un petit peu, donc je vous proposais de nous retrouver du côté de chez Mali. Et vous êtes en train de partir à l'opposé, alors je sais pas si c'était Est-ce volontaire. Est-ce que je suis en train de voir? Non, non, oui. C'était moi que je. C'est... Je ne savais plus c'était quel côté, donc j'avance. Vous pouvez un petit partir peu, parce que... plein sud. Il y a la petite ouais, montée ça, tranquille. Ouais. Non, sud-est, de là où vous êtes. Ouais, tout sud-est. À fait. 90 degrés à gauche. Ouais, c'est... j'y vais, mais attends, on est un peu loin pour la montée. C'est à la montée qui est là-bas. Ouf, j'y vais. Je vais aller vous voir. On va vers le truc, l'arbre. Là où il y a le tourniquet. Oui. On va à la mangeoire Azosio. Azosio. Alors, si tu te rappelles plus, c'est barre d'espace pour voler. Hein. Si, ben, tu m'as pas vu voler, là. Ça, je me suis rappelé. Oh, Scorpion. Oh, tu peux la donner, Scorpion. Ah, ben, c'est toi. Ah c'est ouais, moi. Y a... C'est toi. Par ici, la montée. Par là. Là. Je la vois devant nous, là. Mais il y a un petit scorpion, donc je fais un petit détour. Un petit scorpion. Ouais. Un petit peu plus loin, ouais, sur la droite, il y avait un scorpion. Merde. Ah, il va pleuvoir, les oiseaux volent bas. Ouais. Où est-ce qu'ils sont d'ailleurs les petits bonhommes? Ah, ils sont là. Ah bah vous avez réussi à traverser. Ah attention, il y a un élite qui arrive. Ouais. J'ai plus que 58 PV, donc je vais le laisser un peu tranquille, l'élite. Voilà. Alors... J'ai looté l'élite. Alors. Tiens, bah, y a des coffres, là, ça va être très bien. S'il y a des coffres un peu vides. Ah, celui du fond, il est vide. Alors, vous allez prendre dans le coffre au fond à gauche. Je suis en train de regarder. Ouais. Il y a un petit cadeau pour vous. Un œuf. Un œuf et 500. Chacun. Ok. Ensuite, on va aller voir le monsieur là-haut. Ouais. Alors, un œuf et 500 lulules. C'est ça. Hop. Alors, il faut monter où là ? Monter sur l'arbre qui est sur la mangeoire qui est au-dessus. Je suis là-haut. T'as pas pris le chemin le plus facile. Je suis là, petit ange. Non, c'est... Un coup d'aile. Hop. Ah bah, c'est moi qui arrive pas cette fois-ci. Bah oui, moi non plus. Alors, je retombe à chaque fois. Une fois, c'est à cause de l'oiseau. Une fois, c'est moi qui file du caca. Pipi, caca, popo. Deux. Je reviens tout de suite, je veux dire bonne nuit à mes enfants. Okay. Le temps que vous montez, j'ai le temps de faire oh oui. Trois allers-retours. Le temps que petit ange monte, ouais. Oh oui. C'est pas du gagné. Hein. Allez, petit Et ange. Je sais pas pourquoi je tombe. Ah.
Sinon, tu pars de la branche qui est sur le château de sable, hein. Enfin, sur le château dans le sable. Comme ça, t'as pas besoin de faire des trucs bizarres. C'est ce que j'étais commencé à faire, mais je suis tombé aussi, alors... Waouh. Hop là. Ouais. Voilà. Et là, tu peux aller discuter avec le monsieur. Discuter avec le monsieur. Yep. Alors. Et tu lui dis que tu as un cadeau pour lui. Ah. C'était sur parler, puis. Oui. C'est plus sur parler. Ça y est, tu as ton oiseau ? Non, attends. J'arrive pas à lui parler. Ah, ça y est. Alors, je vous ai apporté un œuf. Voulez-vous entraîner un compagnon? Ok. Il y a une tempête qui approche. Ok. Normalement, il est là. Ah, il doit être au-dessus. Comment je fais? C'est F pour parler? Oui. Ouais, mais t'as eu le même souci que moi. Je sais. Et... Faut que t'ailles le voir, il est derrière toi, sur le toit. Sur le toit du monsieur, oui. Petit ange. Ouais, je le vois, mais comment je fais pour l'atteindre? Tu t'as qu'à voler et ou alors tu descends, il doit te suivre. Ouais, je vais descendre, ça sera peut-être plus simple. Il est où l'oiseau, du coup, tu me disais? Il est sur le toit, mais... Ah là, ok. Est-ce qu'il est descendu, le pépère? Non. Ah si, ça y est. Il te rejoint. Ah. Voilà. Faut que tu lui donnes un petit nom, hein, pour pas que tu le confondes. Alors. Il faut faire chevaucher, hein, faut pas faire libérer. Quand tu choisis avec C, tu... Et surtout pas relâcher. Ok. Donc là, je chevauche. Alors, tu fais espace pour t'envoler. Ensuite, c'est espace pour monter. Et C pour descendre et contrôle pour atterrir. Ah, je suis déjà parti à Bébelouette, je crois. Non, t'es là. Je te vois. Par contre, on a froid. Ouais, faut aller au dodo. Alors attends, il faut que j'atterrisse. Atterrir, contrôle. Ouais. Oula. Hop. Impeccable. Je vais me mettre au chaud. Hein. Alors je sautille pour retrouver la maison. Je vois de la lumière là-bas. Je pense que tu auras plus vite fait de descendre et de venir en courant. Hein. Ça y est, et alors pour descendre, F. C. Non, F pour sortir. F pour quitter ta monture. Tu t'en es sorti, Sabdam? Ouais, je suis là, dans la maison. Non, mais je veux dire, tu... J'ai réussi à... Même dans la maison. Ça j'ai pas remonter, mis de nom parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu de nom parce que j'ai pas eu le temps de... Les nuages se dissipent. Venez, on va aller à la maison. Alors mésange bleu, mémé. Comment on lui donne un nom? Tu vas dans inspecter, donc tu appuies sur C jusqu'à être sur inspecter, et ensuite quand tu es sur inspecter, tu peux la renommer. Tu as un nom, tu as des points que tu peux lui donner au fur et à mesure qu'elle prend des points. Insérer un nom. Ah, voilà. Tu peux l'appeler Jacqueline si ça te chante. Donc, je ferme parce que j'ai pas l'option appliquée. T'as pas l'option appliquée? Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin, c'est juste fermé. Tu dois être ton petit nom et puis après. Toujours mes anges bleus pour moi, ta mes anges.
Ah, tu vois que ça n'a pas marché. Ça me dame, elle s'appelle Coucou Petit Ange. Alors. Est-ce qu'il faut faire entrer? Il faut faire quelque chose? Essaye de faire entrer et puis. Tu fais fermer. Ah bah voilà, il faut le faire entrer. Alors. Il s'appelle Evoli. Ah, je reviens, on a besoin de moi. Ok. Evoli. Et voilà. Et bah allez, on s'envole. Bah attends, on attend bah, comme dame. Oh, bah il va nous rejoindre rapidement. Hein. Il a une mésange. Ah. Alors, l'arbre, il est par là-bas. Tiens, bah, attends, on va aller vers le fer d'abord. On va récupérer un petit peu de fer comme ça. Bah, t'as atterri ? Oui, je suis descendu avec C et ensuite j'ai atterri avec contrôle. Alors, C. Tu es où ? Contrôle. Au pied d'un arbre, auprès d'un. Je suis au fer. Bah oui, mais le temps que je fasse contrôle et machin... Mais il faut que tu... réenvole-toi et reviens vers là où je suis. Ce sera plus simple. Comme ça, t'apprendras à atterrir. Oh. Hop. Je te vois pas. Je vois de l'eau. Mais je te vois pas. Je suis au fer. Derrière toi. Demi-tour. Reviens. Plein ouest. Regarde sur ton HUD. Voilà. Là. En dessous de toi. Demi-tour. Là. Descends avec C d'abord pour être plus près du sol. Fais demi-tour. Bah, tu vois, j'étais. Oh, bon. C'est quoi qui m'attaque? Ah, là. Bon. On est à la ferraille, Sab. Tu vois où c'est? Je suis dans le marqueur. Point bleu, mais je. Oh merde! Je me suis fait attaquer par un aigle. Je one shot l'aigle. Tu t'es fait attaquer par un aigle? Ouais, one shoté. C'est fâcheux. Et il est où mon petit oiseau, là? Il te rattrape. Ah, te voilà. Je récupère les trucs que j'ai tués, mais... Bon, c'est pas du gagné, parce qu'une fois que je suis en l'air, je vois rien. Oh là là, je me suis coincé. Ah, ça viendra. Je suis coincé dans le grillage. Qu'est-ce qui est coincé dans le grillage, ta mésange ou toi? Bah les deux, moi et ma mésange. Si tu descends de ta mésange et que tu voles un peu plus loin, elle te rejoint en steppé. Oh là 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 là. Un vrai sketch. Alors, théoriquement, tu dois être par là, alors. Mais je vois plus d'oiseaux en dessous. Je suis au sol. Je suis là, en dessous de toi. Juste en dessous. Là, face à toi, en dessous. Hop. Oh là là là. Il y a plein de bestioles aussi. Alors. Je vois une petite lumière. Ah, bah c'est toi qui es là. Oui. Je pense que le temps que j'arrive, tout le métal a été pris, quoi. Sur la partie haute, oui, mais pas sur la partie basse. Alors, c'est quoi ce bruit? C'est ta mésange qui suit. C'est tout doum 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 doum. Ça peut aussi être des bruits de cafards. Oui, mais de fourmis. Ça va, une fourmi.
avec deux mésanges pour nous protéger. Et... J'ai vu que des pattes, moi, au départ. Ah oui, il faudra que je vous passe aussi. Je me suis fait la petite pioche en pyrite. Ah. Vachement sympa. Si, avec ça. Et de la mouche et du frelon. Sale bête. Ah ! Un petit ange. Normalement, pas trop. C'est deux cafards ou je sais pas quoi, plus des marteau mouches. Pour les cafards. Ah, les mouches, c'est plus embêtant. Fais gaffe à ta santé. Marteau. Bah oui, mais... Bon, là, un cafard de mort. Un bon cafard est un cafard mort. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi, là. Ah ! Tu lui donnes un coup de... Ah, il reneige. Oh là là, les mouches maintenant, mais c'est bon quoi. Oubliez-moi les bestioles. Ah oui, les mouches maintenant aussi pour moi. J'arrive. C'est vrai qu'elles font mal ces mouches. J'ai un peu perdu l'habitude. Je risque de mourir là. Soigne-toi. C'est bon, c'est bon. Mais alors, il ne me reste plus beaucoup de vie. Ah là là, elle attaque encore, donc il y a encore quelque chose qui m'attaque. Oui, encore une mouche. Mais c'est bon, quoi. T'es où ? T'es là-bas. Il y a une tempête encore ou quoi ? Non, il y a juste un peu de neige. Un petit ange. Ça va, je me soigne, je me soigne. On va mettre ça soit une pute ou pas. Il y a un cafard. Il y avait un cafard. Tant que j'arrive. Bon, combien j'ai ramassé ? J'ai 109 pépites. Je ne peux pas en avoir beaucoup. Même réussi à donner un coup à ma pauvre mésange. Oh, c'est pas grave. Chitine épaisse. Alors, comment on fait déjà ? Contrôle. Hein ? J'en ai trois. Oh là là. Pas le grave. Qu'on reprenne la main, hein, petit ange. On est un peu perdu. Hein. Ah bah, il y a encore un cafard là. Là-bas. C'est pour ça qu'il y a les mésanges qui s'éclatent. Il y avait des mouches. Il y a des mouches, mais elles se font bouffer par les... Par les oiseaux, par les oiseaux. Ouais. Défoncés, même, je dirais. Alors, ça, c'est les vôtres. Coucou, petit ange. Mémé. Hop. On retourne à la maison. Laquelle de maison ? L'arbre à l'est. La nest. Là où on voit le ballon d'ici. Alors attendez-moi que je prenne mon envol, que je monte, voilà. Envole-moi. Ah bah celui qui est là, là. Oui. Ouf, moi je suis garé sur le toit. C'est chaud, hein. Alors, déjà... qu'est-ce qu'il vous fallait pour faire cette super pioche. La pioche en pyrite, 3 lingots de fer, 5 de bois de fer, 10 pyrites, 2 cœurs de réchi. Donc il me faut 6 lingots de fer. Oh, j'ai réussi à me garer. Oh, oh. Oh non, mais sérieux. Ah, c'est chaud, hein, petit ange. Hein, je ah bah oui, là je suis encore coincé dans les champignons.
Dans l'arbre et des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le métier qui rentre. Je suis sûr que je vais tomber. Ah non. Ouais, tu vas y arriver. Je fais pas de soucis. Mais oui. Alors, 20 pyrites. Du coup, je peux ranger le fer. Clic droit pour transférer. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre ? Bois de fer. Ah oui, j'ai ramené tout le bois de fer ici. Comment ? J'ai ramené tout le bois de fer ici. Je retourne là-bas ? Non, non, j'ai ramené tout le bois de fer ici. Non, je crois qu'il parle à sa femme. Non, je te dis que j'ai ramené tout le bois de fer ici. Ok. Combien il m'en faut ? 10 bois de fer et 4 cuirs de réchi. Tu nous fais les pioches, le Elru ? Ouais, je vous fais les pioches. Ok, merci. Et 4 cuirs de réchi. Cuir de Reishi. Tac. Et voilà, deux pioches en pierre. Je vais vous le mettre dans le coffre. Comme pour tout de gauche. Là, à gauche. Ouais. Oh, mais je devrais faire aussi une pour capot. Yep. Ça serait gentil. Ça remplace l'autre. Oui, ça remplace l'ancienne pioche. Un bois de fer. Si tu veux avancer. Le réchi pour faire le cuir. J'avais dit 10 pyrites. Nya. 10 pyrites. Et du fer, j'avais dit... Combien j'avais dit de lingots ? J'ai oublié. 3 lingots de fer. J'arrive plus à mettre attribuer une touche, bon Dieu. C'est bien tapis sur 6. Non, c'est tu glisses dans le slot. Ah ouais, c'est vrai. Pioche en cuir de riche. Elle est belle la pioche. Ah oui. Elle est comme notre armure. En fait. Elle est assortie à la tenue. Ouais. Et je vais mettre ça dans tu le coffre. Que toutes les armes sont comme ça, à ton avis ? Non. Notre hache en pyrite, elle est comme ça. Marteau en pyrite aussi. Réparation, un petit coup. Ah, et vous aviez pas des scopettes non plus, c'était Capot qu'en avait une. C'est quoi les scopettes? Non, si, j'en ai une des scopettes. Ah, alors c'était Capot qu'en avait pas. C'est ça? Alors, les scopettes, peut-être. C'est quoi? C'est le fusil. Ah non, moi j'en avais pas, mais j'en voulais pas non plus. Donc. On voulait pas? Non, non. Parce que j'arrive pas à viser, donc. Alors. En même temps, c'est normal. T'as ta pioche qui t'attend, hein, petit ange. Oui, mais j'arrive pas à monter, donc j'arrive pas à me poser en fait. Le temps que je regarde mon clavier, que je trouve ma touche, j'ai fait 3 km de l'arbre. Tu te retrouves dans l'autre arbre. Comment je fais pour qu'elle reste ici ? Ben, je vais lui demander de rester ici. Tu vas quand même pas monter à pied. Et je vais monter par l'ascenseur, on peut pas ? Mais non, tu vas monter avec ton oiseau. Prends l'habitude de monter avec ton oiseau, même s'il te faut 2 heures, c'est pas grave, on t'attend. Apprends. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Il faut que tu utilises espace et C pour t'aligner à peu près à la bonne hauteur, et tu vises l'entrée de la maison, et puis quand t'es coincé dedans, t'appuies sur contrôle pour atterrir. Oh, puis t'as vu ma petite déco, Sab ? T'es où ? Viens voir, viens à l'entrée de la maison.
T'es sculpté? Tu l'as trouvé où, celui-là? Eh ben, en fait, c'est avec l'événement de Noël, ils ont rajouté pas mal de déco, et tu... Dans le jardin d'enfants, tu peux trouver des petits soldats comme ça, et... Okay. Bon, ça te demande un petit soldat pour en crafter un. Hein. Voilà. D'accord. Mais je vois un ballon, mais je vois pas la base. De toute façon, je suis même plus au bon arbre. Je te confirme que t'es pas au bon arbre, là, je pense. Non. Oh là là. Ah, si tu vois pas de maison sur la... Continue. Tout droit, tout droit, tout droit. Maintenant, tout droit. À droite. Un peu à droite. À droite, à droite, à droite. À droite. À droite. À droite. Tout droit. Gauche. Gauche. Tout droit. Descends avec C d'abord. Ah! Avant d'essayer de te poser. Ah, mais tu vois, le temps que je fasse contrôle, j'ai passé l'arbre. Mais descends avec C pour te mettre au niveau et tu fais contrôle quand t'es sur l'arbre. Voilà, voilà. Là, fais contrôle. Et si ça veut pas, tu refais espace pour revoler. Voilà! Non, mais pourquoi t'as refait espace là? Contrôle. Ah! Bon, espace pour revoler. Espace. Je t'avais dit qu'on allait rigoler sur le vol. Ah bah oui, moi non, il faut que je regarde mon clavier, que je cherche ma touche, donc c'est mort. Hein. Non mais attends, la touche C, elle est juste en dessous de ta touche D, donc ça devrait aller. Oui, la touche contrôle, c'est contrôle, ton petit doigt. Il touche pas mon petit doigt. Comment ça, il touche pas ton petit doigt? Bah j'ai pas des grandes mains, moi. Hein. Bah, ton petit doigt, il est sur shift, non, par défaut. Même. Pour courir. Juste en dessous, t'as contrôle. Je sais pas où tu... Ah, si, t'es là. Oh là là, ça y est, je suis encore coincé. C'est bon. Et... Vol en cercle en faisant C pour... Oh, j'ai fait C et contrôle et ça y a... Mais ouais, si, tu descends, c'est tout. Mais espace. Non mais arrête de descendre n'importe où. Mais là, je suis mort. Elle est passée où? Ah, il est là. Voilà, maintenant, quand tu vois que t'arrives dessus, tu fais contrôle. Ah merde, j'ai fait Je vais avoir le temps de m'occuper de mon fils 30 secondes. Là. Ah oui, je pense même que... Même 3 heures. Hein. Ah non, c'est halt que j'ai fait. Oh là 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 là. Oh là là là. Comment tu peux faire halt? Ça n'a rien à voir. Ah, contrôle. Voilà, c'est bon, contrôle. C'est bon. Allez. Oh punaise. Maintenant, F pour sortir de ta mésange. Wow. C'est une calamité. C'est bon? Allez, reste là, bouge plus. Alors... T'as pas repris de points mémé, dommage. Donc, dans le coffre... De gauche, à côté de la porte, tu trouveras ta pioche en pyrite et celle de capot aussi. Qu'est-ce que je trimballe avec moi qui ne me servirait pas? Ouah, il faudrait que j'en refasse. Ah, bah, je peux même pas utiliser l'établi, c'est quoi ce délire? Appuie sur quelle touche pour essayer de l'utiliser? F. Ah, mais je suis peut-être plus en... Bah si, oui, je suis en anglais. Il s'utilise très bien. Bon, bah c'est pas grave, je peux pas utiliser le coffre. Alors, tu me dis le coffre... Celui-là, ouais. Alors, c'est... Pioche en pyrite. Bah, si tu peux utiliser le coffre, tu dois pouvoir utiliser l'établi. Tiens, tu devrais remettre ton point de spawn ici. T'es à la mésange, maintenant, tu vas super vite partout. Non mais si tu respawns ici, si tu respawns ici, ta mésange, elle va forcément apparaître ici, et ça sera plus simple. Voyager, c'est pas de problème, c'est atterrir. Ouais, mais l'arbre c'est un peu plus chaud, mais ça s'apprend. Je sais plus où était ton lit, il était par là. Là, ça y est, bah moi j'ai retrouvé mon lit. Non, ça c'était le lit de Nicia, tiens. Ouais. Et lequel le tien? Bah, le mien, il est en face. Il est là. Ah, je le vois pas marqué comme le étant ton lit. T'es sûr que t'as activé le point de réapparition? Bah oui. J'ai fait F, en fait. Il te propose de dormir? Non.
Il propose quoi ? Il veut pas. Ouais, bah, F toujours, et comme l'établi. Je peux pas l'utiliser. Ah mince. Je peux pas utiliser. Bizarre. Est-ce qu'elle a de la place dans son coffre ? Ouais, je te le pique. Je te le pique. Normalement, il y a marqué lit de Elru et je vais reprendre le mien, comme ça tu vas pouvoir le reprendre. Ouais. Non, voilà, j'ai repris le mien. Toujours pas. Toujours la même chose. Ça te met quoi comme option pour faire activer F? Activer le point de réflexion, c'est tout. J'ai pas et quand tu fais F, ça te l'apparaît pas. Ça te l'active pas. Non. C'est bizarre. Et t'arrives pas à accéder à la craft à l'établi. Pour réparer, non. Et pourtant, t'arrives à accéder au coffre. Au coffre, ouais. Et l'autre des atelier. Curieux. Aucun atelier. Aucun atelier, mais par contre, les coffres, ouais. Même la forge, je peux pas. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!